Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre chief patman Sinati Radia. Bienvenue dans ce message et je suis très content, très excité de vous parler à chaque fois et c'est avec vraiment joie que je pense que vous avez vu actuellement dans mes Instagram. J'étais en train de parler beaucoup de l'anniversaire d'un de mes frères qui est aujourd'hui devenu le CEO et vraiment c'est quelque chose de fantastique. Et j'ai aussi passé du temps avec d'autres CVJ. Et où on avait vraiment parlé de, il était en train de me rappeler comment être, quelles sont les valeurs pour être un grand leader, pour être un bon leader pour son organisation. Et c'était quelque chose vraiment de magnifique. Aujourd'hui encore, j'ai partagé encore le stage avec beaucoup de vie partners, des EVP et des vie partners, des vie council pour échanger un peu sur le network, pour travailler un peu sur comment ils sont en train de construire leur organisation. Et vous savez qu'à chaque fois que vous partagez une expérience avec des directs, vous apprenez vous-même quelque chose. Et vraiment, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. Vous avez démarré le business, vous voulez réussir. Mais vous devez savoir que votre aventure dans le marketing des réseaux est déterminée souvent par la réussite que vous allez avoir. Et si vous voulez avoir vraiment le mass out, cela est vraiment déterminant lorsque vous avez eu un bon leader. Et quand vous avez un bon leader, les gars, vous êtes vraiment chanceux. Et aujourd'hui, je peux dire de manière très claire aujourd'hui que si aujourd'hui je me retrouve là où je suis en train de faire le mass out, en train de faire le mass out chaque semaine, sur plusieurs ici, en train de réussir. Vraiment, j'ai été vraiment chanceux. Chanceux pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un leader comme Dato Sri Vijay Swaral qui n'a cessé de me pousser et vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Et cette chance-là, vraiment, beaucoup de vous, beaucoup parmi vous l'enviez. Beaucoup parmi vous souhaiteront avoir. Mais vous m'avez à chaque fois, et mes messages chaque fois sont transmis, sont des formations que j'ai reçues avec le seul et l'unique Dato Sri Vijay. C'est ce que je vous transmets. Et si vous êtes dans ce business et que vous venez de faire le mass out, vous faites le mass out il y a longtemps, vous avez une grande équipe, vous faites le mass out, mais vous êtes tombé, votre réseau est tombé à zéro. Vous êtes aujourd'hui, vous avez une équipe, mais votre équipe n'avance pas. Vous êtes en train de reconstruire, vous êtes en train de travailler, mais depuis vous avez du mal à construire une équipe. Écoutez-moi très attentivement parce que ce message-là est pour vous. Si tu viens de commencer aussi, que tu ne sais même pas dans quoi tu t'es jeté, écoute-moi très sérieusement. Et ce que je vais dire, commence à appliquer cela et tu vas voir. La même date, l'année prochaine, tu vas me dire merci. Mais j'aimerais que vraiment vous m'écoutez très attentivement. Vous savez, dans cette activité, il y a beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de personnes ont vraiment font beaucoup d'erreurs sur ce qu'on appelle le leadership ou bien le upline. Parce que pour moi, dans la vie, il faut que vous compreniez une chose. Tu dois avoir un leader et tu es un leader. Tu dois avoir un leader, tu es un leader. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Tu dois avoir un leader, tu as un leader et toi-même, tu es un leader. Mais en réalité, pour être qualifié, pour être leader ou pour être qualifié, pour être upline, il y a une seule chose qu'il faut faire. Il faut avoir une seule personne dans ton organisation. Je m'en fous si vous avez peut-être vous 10, 100, 1 million ou des millions comme moi et d'autres scrivigés. Mais ce qui vous qualifie d'abord, c'est juste avoir un leader. Indirect. Et sachez que ce n'est pas la taille qui fait le leadership, ce n'est pas la taille qui fait le leader. Et beaucoup de personnes pensent que c'est quand ils vont avoir beaucoup de personnes que non, ils vont être maintenant des leaders. Donc ils vont développer certaines aptitudes. Non, c'est faux. Donc pour moi, un leader, c'est un leader et c'est un leader et c'est un leader. Point. Laissez-moi aujourd'hui bien vous éclairer cette histoire des leaders, cette histoire des uplines. Parce que tu sois un bébé, que tu sois un grand, même vos enfants, vos neveux doivent apprendre cela. Donc, ils doivent écouter Oncle Tiff. Donc, écoutez-moi très très bien. C'est très important. Et sachez que le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se limite forcément au business. Le leadership, c'est quelque chose qui va au-delà de la vie. C'est pour cela que, hormis le network, il y a des gens que vous avez toujours vus en tant que des leaders. Et vous avez toujours considéré en tant que vos leaders. C'est pour cela que vous devez comprendre le concept le plus simple, le concept d'abord de la famille. Nous sommes tous à l'origine, avant notre naissance et après notre naissance, nous sommes tous à l'origine, les directs de nos parents. Parce que nos parents sont nos premiers leaders biologiques. Qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, que peu importe la situation dans laquelle on est né, qu'on soit dans une famille pauvre, dans une famille riche, nous sommes d'abord leaders, nous sommes influencés d'abord par eux. Et depuis ton enfant, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir, tu ne peux rien faire, tu dépends de ces deux leaders qu'on appelle papa et maman. Ta maman, pour le moment, c'est encore plus spécial. C'est ta maman qui va t'apprendre des premiers pas dans la vie. C'est ta maman qui va t'apprendre déjà comment tu te boutonnes d'abord et qui va te boutonner au début. C'est elle qui va t'apprendre comment tu dois te brosser les dents, comment tu dois bien rincer. Beaucoup de personnes pensent que non, le leadership, non, ce n'est pas une question forcément de connaissance ou même forcément de position. Non, les gars, laissez-moi être neutre. Puis ce n'est pas une question de forcément de network. Laissez-moi être neutre aujourd'hui. Le marketing, pardon, le leadership ou même le leader, c'est quelqu'un tout simplement qui te garde et qui te protège par rapport à toi
ton aventure sur cette vie. C'est aussi simple que cela. Et sachez que dans toute aventure sur cette terre que vous devez embrasser, a toujours besoin d'un leader qui va toujours vous garder. Souvent, mais vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Vous partez à l'université, vous avez besoin de ceux qui sont vos devanciers pour pouvoir vous aider, et aussi de vos professeurs pour pouvoir vous aider à avancer, les gars. Vous partez même au travail, vous avez toujours besoin de vos supérieurs pour pouvoir vous aider, vous garder à avancer dans le travail. Même quand vous partez à la salle de gym, vous avez besoin d'un coach pour pouvoir vous garder, vous protéger et vous aider à atteindre vos objectifs, les gars. Même quand vous devez préparer, apprendre même à préparer, parce qu'il y a certaines femmes ou certains hommes qui ne savent pas préparer. Même quand vous ne savez pas préparer, il y a toujours des gens sur YouTube qui vont vous coacher comment vous pouvez faire pour bien préparer. Même quand vous devenez père ou bien maman de la première fois, vous ne savez même pas comment vous faites, comment on fait même pour être papa, pour être maman, parce que personne ne vous montre, personne ne vous coach. Mais vous avez toujours besoin de vos parents pour vous donner une expérience, sinon sans quoi ça va être difficile. Et à chaque fois, nous prenons notre téléphone, nous appelons nos oncles, nos tantes, nos mamans, nos oncles, quelqu'un encore qui a une expérience pour lui dire, ah, mais mon enfant a ceci, comment on fait? Mon enfant ne mange pas comment il faut faire, mon enfant ceci, comment? Donc, on a toujours de manière très claire besoin d'un leader dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas d'abord. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, vous prenez une décision en disant à vos directs, par exemple, que non, je vais être avec vous. Je serai toujours avec vous. Vous prenez la décision de dire que vous serez avec ces directs-là. Et maintenant, c'est vous maintenant qui venez maintenant. Et ça me fait mal souvent quand j'entends ça. Ces gens, tu entends, par exemple, vu qu'on nous met dans certaines conventions où je vais, où j'ai l'habitude de partir, tu vas entendre quelqu'un te dire, non, je n'ai pas de leader. Et ça me fait mal. Hey, les gars, il faut chercher. Et pourquoi? Même, ce n'est pas normal même que tu n'aies pas. Donc, il faut chercher un leader. Cherche, regarde ta génération, il faut chercher quelqu'un à qui t'as goûté. Maintenant, si tu n'as pas, il faut te connecter à mes messages. Et chaque jour, ce que ça dit, ça va avancer. Parce que, écoutez-moi bien. Votre aventure dans cette activité sans un leader, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et je vais vous dire, est-ce que sans leader, vous pourrez avancer? Oui. Est-ce que vous allez gagner une commission? Oui. Est-ce que vous allez gagner faire le massage? Oui, vous pouvez le faire. Mais je vais vous dire, ça va être difficile parce que vous serez seul. Parce qu'il faut toujours chercher quelqu'un qui va vous écouter, qui va écouter vos problèmes, vos difficultés, qui va écouter ce que vous vivez, qui va pouvoir vous orienter en fonction de son expérience. Parce que comme vous n'avez pas ça, vous avez l'impression que vous êtes en train d'errer, vous êtes seul, vous prenez vos décisions seul à tout faire, seul à tout faire et seul à tout faire. Et ça, c'est pas bon. Dans ce message de mercredi, j'aimerais que vous puissiez vous poser la question vous-même. Et c'est une très bonne question pour vous. Est-ce que vous êtes un bon leader ou est-ce que vous êtes un mauvais leader? Vous devez faire le test envers vous-même, comme la dernière fois, ce qu'on a fait, pour pouvoir voir en réalité si tu es un bon leader. Parce que moi, je l'ai fait la dernière fois. Premier point pour pouvoir te tester, d'abord, il faut que tu saches d'abord où tu es en train de partir. Parce que si un leader qui est avec des directs, même si c'est une personne ou 1000 personnes, et tu ne sais pas où tu veux avec eux, c'est difficile. Donc, tu dois savoir tes objectifs, leurs objectifs, et ensemble, tous vos objectifs, où vous partez. C'est très important. Quelle est votre destination? Quel est votre but? Où est-ce que vous allez? C'est comme ça que vous devez le faire. Parce que moi-même, j'ai fait le frère. Je suis pas en train de vous dire quelque chose que je n'ai pas fait. Lorsque je pouvais suivre Dato Sylvidier dans ce qu'il était en train de faire au début, il m'a dit, mais Patman, viens et suis-moi. Dans les 10 prochaines années, nous serons la plus grande entreprise de marketing des réseaux. Et 20 ans qui viennent devant, qui vont être vraiment challenger, mais je vais te dire une vérité, on sera partout dans le monde entier. On sera le marketing des réseaux qui est représenté partout dans le monde entier. Dans les 5 années qui viennent, je peux te dire une vérité, c'est que non, on va faire un événement où on aura plus de 5000 personnes. Et dans les 5000 personnes qui vont arriver, ça va être quelque chose de magnifique, qui vont venir à travers le monde entier. C'était ça qui a fait qu'on a fait le premier Vicol. Les gars, vous devez comprendre qu'il a mis tout ça là dans ma tête. Il a tellement planifié tout ça dans ma tête que tout était correct dans ma tête. Et je savais où je partais. Tant que leader, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce que tu vas être dans les premiers mois, deuxième mois, troisième mois. Tu peux même pas dire même dans les premières années, deuxième année, troisième année, même dans les 3 premiers mois, tu peux pas dire que tu ne sais pas où tu dois aller. Tu dois savoir où tu dois aller. Regarde, ne prenez pas ça pour un amusement, pour un jeu, les gars. Les gens qui vous suivent doivent savoir où vous partez avec eux. Quelle est la vision? Où vous êtes en train de partir? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines années? Où ils vont se situer? Qu'est-ce qu'ils vont gagner lorsqu'ils vont arriver à ce niveau-là? Ils vont gagner quoi avec vous? Ils doivent savoir ça de manière très claire. Quand cette vision-là est claire comme ça dans la tête, quand cette vision-là est limpide comme ça dans la tête, et quand les gens sachent où ils sont en train de partir, sachent ce qu'ils vont gagner, sachent ce qu'ils vont faire, les gars, je peux vous garantir une chose. Quand vous appelez ces gens de personnes-là et vous êtes en train de travailler avec eux, je peux vous le garantir de manière très claire, ils savent et ils sauront
où ils vont avec vous, ils s'arrangeront à être avec vous et ils vont faire tout ce que vous leur demandez. Un leader doit avoir une claire vision, la vision de là où il est en train de partir, la vision de ce qu'il veut faire de sa vie, la vision de où il est en train d'aller avec son équipe, la vision de son équipe, la vision d'ensemble. Il doit avoir un tableau de vision où il doit pouvoir voir de manière très claire là où ils seront dans le monde entier, comment son être va être, comment les choses vont être. Ça doit être clair dans sa tête. Pouvoir leur partager tes histoires, partager ton histoire, partager l'histoire même que tu as déjà vécue, expliquer où tu t'en vas avec eux, qu'est-ce que tu veux faire, la vision que tu as mise, expliquer cela à chaque fois. Même si tu viens de démarrer, faire démarrer quelqu'un, que c'est ton premier direct, tu dois pouvoir lui dire ton rêve. Comme ça que vous allez voir, quelqu'un va vous dire non, j'ai démarré la semaine passée et toi aussi tu as démarré cette semaine. Mais c'est pendant la formation des 8 blocs du succès que j'ai trouvé mon rêve. Et c'est avec ce rêve-là que je veux commencer à me battre maintenant. C'est ce rêve-là que je veux commencer à réaliser. Je sais que ça sera difficile, mais je sais que j'y arriverai. Peu importe ce qui va arriver, parce que mon rêve est important. Quand tu entends ça comme ça et que ton leader te dit ça de cette manière, tu sais que ton leader connaît ton rêve et il est prêt à se battre pour ton rêve. Moi, les gars, quand c'est comme ça, tu es prêt à tout faire au fait. En réalité, tu élèves ton leader, tu parles de ton leader partout parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour réaliser ses rêves-là pour toi. Deuxièmement, votre leader, vous devez savoir de manière très claire comment être connecté. Et connecté à qui? À votre source qui vous donne de pouvoir avancer. Et l'une des sources, c'est le VI et c'est Dato Sri Vijay et c'est Japanese Bismap. Que vous devez être Dato Sri Vijay. Nous devons nous connecter à ceux-là et à cette vision qu'ils ont là pour pouvoir avancer. Et Dato Sri Vijay a un langage qu'il aime dire. Et il dit ça toujours les deux. Je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses qu'il pratique chaque fois, mais il y a une chose que je sais qu'il pratique à chaque fois. Fais bien et sois bon. Je ne veux pas dire aussi qu'il faut être végétarien comme eux, ou il faut avoir la même religion comme eux, il faut marcher comme eux, il faut se comporter même chose comme eux, il faut... Non, ça ne veut rien dire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le but, ce n'est pas forcément d'être forcément comme eux, ou mais de décider à Paris de dire je vais être m'habiller comme les Asiatiques, quand je... Non, ça n'a rien à voir avec... ça n'est pas dit aussi que non, parce qu'eux, ils ne sortent pas, ils ne vont pas dans les boîtes, donc ça veut dire je ne vais pas partir. Non, mais c'est juste suivre... leur vision, en fait. La vision, c'est leur suivre leurs valeurs qu'ils transmettent. Élève ta personne pour aider l'humanité. Te battre, aide, oublie-toi pour aider les autres. Fais des sacrifices pour que les autres puissent avancer. Fais bien et sois bon. Éduque ton organisation. Sois avec tes gars à chaque fois qu'ils auront besoin de toi. Sois toujours présent pour eux. Ne les abandonne pas. À chaque fois qu'ils auront des problèmes difficiles, peu importe ce qu'ils vont avoir, sois là avec eux. Sois là pour tes directs. Aime-les, garde-les. Faut toujours être auprès d'eux. Faut toujours être là pour les soutenir, pour les aider, pour les donner de ton amour. À chaque fois, faut jamais les abandonner. La troisième des choses que tu dois faire qui est vraiment importante en tant que leader, tu dois t'arranger. Ça, c'est quelque chose, c'est un mode de vie. Ce n'est pas forcément dans le marketing, c'est dans toute ta vie. Toutes les personnes qui sont au-dessus de toi, il faut leur donner de la positivité. Quand ça ne va pas, il faut donner ça à ceux qui sont au-dessus de toi, donne-leur cette négativité. C'est comme ça que ça se fait. J'ai des mauvaises nouvelles, je n'ai pas bien donné ça à mes enfants. Je donne ça, je partage ça soit avec mon leader ou bien je ça partage avec quelqu'un. Je ne vais pas venir partager ça directement avec mes enfants pour les faire peur. Non. Bonne nouvelle, je les donne en bas. Mauvaise nouvelle, je partage ça avec quelqu'un d'autre en haut là-bas. C'est comme ça se fait. Arrêtez de faire ça. Souvent, vous tuez vos directs sans le savoir. Tu as eu une mauvaise journée, mon frère, ferme ta bouche, regarde tes directs et souris. Tu as eu la vie la plus compliquée, ferme ta bouche, regarde tes directs et souris. Tu dois toujours partager le positif. Un jour, tu as envie de libérer tout ton stress, toutes tes peines, tout ce qui est difficile, appelle ton leader. Tu dois partager à tous tes directs tout ce qui est positivité, 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 positivité. Tu ne dois jamais venir parler de la négativité, des choses qui vont venir faire tes directs tristes. Faites attention. Yeah. Même moi-même, votre chief, malgré que j'ai des leaders, j'ai des titans, j'ai des soldats, j'ai des vieux ambassadeurs qui sont mes directs, qui sont devenus aujourd'hui des gens avec qui je travaille. Je me suis jamais assis à eux pour leur parler de tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, là, j'appelle Dato Sri Vijay, j'échange avec lui. Lui, il a le mandat de changer mon mental et de dire quelque chose qui a changé ma vie. Mais avec mes directs, je ne viens jamais dire ce qui est négatif. Chaque fois, vous pouvez les demander si vous les rencontrez, David, Sati et tous, ils vont vous dire, je n'ai jamais et je ne vais jamais le faire. La quatrième des choses, c'est dire et puis faire. C'est-à-dire dire et puis travailler. Tu ne peux pas venir dire à tes directs de faire des présentations et puis t'emmener de faire des présentations. Tu ne peux pas venir dire à tes directs qu'il faut faire des présentations, tu ne fais pas des présentations. Donc quand c'est comme ça, tu deviens menteur et ton message ne passe pas. Tu vas beau dire ce que tu as dit, mais si toi-même tu ne fais pas des présentations, ça ne peut pas passer. Donc arrêtons de faire cela parce que souvent ça fait en sorte que devant nos directs, on devient comme des menteurs.
Le rôle Twitch doit être pour toi-même. Tu dois pouvoir faire tes présentations du mois. Donc, si tu dis à tes gars de faire des présentations, tu dois aussi toi faire des présentations. Si tu dis à tes gars de faire des achats, tu dois aussi toi faire des achats. Si tu dis à tes gars de faire des suivis, tu dois aussi toi faire des suivis. Tu dois être en train de faire. Il a dit, ils n'ont qu'à être focalisés sur 24 heures en train de faire le marketing des réseaux. Donc, toi aussi, tu dois être focalisé en train de faire le marketing des réseaux. Tu dois travailler par exemple. Tu dois vivre une vie d'exemple. Si tu dis de faire, tu dois faire. Si tu sais que tu ne dois pas faire, il ne faut plus parler, il faut te taire. Que tes directs aussi te regardent, hein, ils regardent partout, ils regardent toute ta manière de faire, ils savent quand tu fais, tu ne fais pas, ils savent quand tu n'es pas en train de travailler, ils savent quand tu n'es pas au bureau, ils savent tout de toi. Ils regardent même tes réseaux sociaux. Pas dire à tes directs, non, il faut te lever matin, bonheur, tu as venu faire, mais ils te regardent parce qu'ils savent quand tu te lèves, ils savent quand tu parles, ils savent tout. Aujourd'hui, là, vous ne pourrez rien cacher à vos directs, ils connaissent tout de vous. Pas dire à tes directs d'envoyer leur engagement et puis toi-même tu n'envoies pas ton engagement, les gars. Attends, un jour tes directs et ton leader vont se rencontrer et quand ils vont se rencontrer, ils vont voir la vérité. Ils vont voir que toi-même tu leur demandes de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Et les gars, quand c'est comme ça là, quand ils vont voir la vérité, ça va être ridicule. Être un leader, c'est-à-dire qu'il faut avoir un standard de vie. Tu dis aux gens de faire quelque chose, il faut que toi aussi tu puisses le faire aussi. Et si tu n'arrives pas, si tu ne le fais pas, faut pas venir leur dire de faire. Moi, je n'ai jamais dit aux gens, jusqu'à aujourd'hui, en tant que chief, je n'ai jamais dit aux gens de faire quelque chose, et moi-même, je suis pas en train de faire. Si je dis aux gens de faire présentation, je m'arrête déjà à faire mes présentations. Envoie-moi mon TNT à date aussi vidé chaque week-end, chaque fois, chaque jour. Je n'ai jamais raté un seul jour. Chaque jour, à partir de vendredi minuit, j'envoie mon engagement à date aussi vidé. Je n'ai jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire et je ne cesserai de le faire. Vu que dans ce que j'ai tenté de dire, je t'ai pas dit qu'il faut devenir un grand orateur. Et quelqu'un qui sait parler devant les gens. Quelqu'un qui sait ambiancer les gens. Quelqu'un qui sait réveiller une foule. Et quelqu'un qui sait venir dire non. Unbelievable. Non, incroyable. Je ne t'ai pas dit de faire tout ça parce que ce n'est pas important. Peut-être que beaucoup de personnes aiment se focaliser sur ça, je sais parler devant les gens. Et je te dis seulement, il faut apprendre ces quatre points-là pour être un bon leader. Et le dernier point maintenant que je vais aborder, tu ne peux pas fuir lorsqu'il y a des challenges. Tu ne peux pas t'évader lorsque la cuisine est chaude. Souvent, c'est ce que je vois. Je vois que lorsqu'il y a des challenges, les leaders fuient. Ils passent tout le temps à fuir. Et les directs, eux, ils sont là. Et c'est là que je vois que les directs, là, en fait, en réalité, sont des guerriers, sont des leaders. Moi, je n'ai jamais fui. Peu importe les challenges, j'ai eu des challenges même les plus difficiles, les gars. Les gars, je peux vous dire une vérité. Peu importe le challenge que vous allez avoir, sachez une seule chose. Je serai toujours avec vous et je ne vous abandonnerai pas. Je suis né champion, je suis né guerrier et je mourrai guerrier. Un leader doit être là lorsque les moments sont difficiles. Ça, c'est très important et pas seulement lorsque tout va très bien. C'est ça un leader et ça, ce sont les caractéristiques d'un bon leader. Si tu veux que tes directs soient là avec toi, si tu veux que tes directs t'écoutent, si tu veux que tes directs se battent avec toi, si tu veux que tes leaders, tes directs puissent faire ce que tu leur demandes de faire, sois avec eux dans les moments les plus difficiles. Sois avec eux dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus heureux. Sois avec eux. Pas dans les moments de baptême, anniversaire, mariage, peu importe ce qu'ils veulent faire. Va avec eux, bois avec eux, échange avec eux, prends un pot avec eux. Fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis de faire tout ça, le jour où ça devient difficile, compliqué pour eux, ils n'arrivent pas à joindre debout, sois là avec eux. Dato Sri Vijay et Japan Aspixement m'ont démontré cela. Tout le temps que j'étais dans ce business, je me suis battu, j'ai eu des challenges, des difficultés, des moments où j'ai failli me fuir, mais j'ai dit non, c'est pas la peine. Et ils m'ont jamais montré un seul instant que non, ils ont fui. Ils ont été toujours là pour moi, ils se sont battus avec moi et ils m'ont montré que ce sont des guerriers, ce sont des bons leaders. Et le dernier point maintenant, les gars, je sais que le message, ce message est long. Faites tout ce que vous devez faire dans cette activité ou même partout. Faites-le avec amour. Quelqu'un qui passe tout son temps à être attentionné et à aimer ses directs va passer, va marquer ses directs à vie et tu vas avoir ses directs après de lui à chaque fois. Ah, je ne fais pas message de mercredi, je ne fais pas Instagram, je ne fais pas des vidéos à chaque fois parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que je vous aime, les gars. Et je veux prendre soin de vous. Je veux être attentionné de vous. Vraiment, pour moi, c'est important. Ça fait partie de mon ADN. Donc, les gars, faites tout ce que vous pouvez avec amour et puis... Vraiment, du plus profond de mon cœur, je vous l'ai dit, prenez soin de vos directs parce que c'est magnifique cette activité. Aujourd'hui, je veux que tu te poses une seule question. Et c'est le point que nous avons fait. Nous avons fait un bilan et toi, fais ton bilan. Mais dans ton bilan, pose-toi une question. Est-ce que tu es un bon leader? Et si tu l'es, il n'y a pas de problème. Si tu ne l'es pas, travaille pour... Et si tu l'es, tu continues de faire certaines choses. Sois constant dans ce que tu es en train de faire. Et quand tu deviens
un leader, bon leader, tu dois être responsable de tes directs et en plus de cela, tu dois avoir des devoirs. Tu vas pouvoir les garder, tu vas pouvoir les tenir dans la main pour pouvoir les faire avancer. Sois, prends cette responsabilité et tu dois pouvoir prendre ces devoirs-là et cette responsabilité-là vraiment très très au sérieux. Les gars, je vous aime de tout mon cœur et vous le savez, prenez soin de vos directs et on est ensemble. ASB, John Désiré.